Yo les gens, j'espère que ça va, moi ça va super. On se retrouve pour l'épisode 2. Tout est déjà enregistré, j'ai plus qu'à envoyer. J'ai pas envie de faire une introduction trop longue, trop chiante, trop de blabla. Juste dire que voilà, on a juste rajouté des murs autour de cette mine. C'est tout, on a fait un bunker là-bas, mais ça je vous montrerai plus tard, on s'en fout. Parce que là, vous allez voir de l'action, des préparatifs d'un raid. On était beaucoup. On était une dizaine sur. On était sur un TS. Et puis on est parti raid une base. Et donc voilà, c'est parti, vous allez suivre l'aventure dans 3, 2, 1. Mais le lance-roquette, tu l'as? C'est le débarquement, mon frère, c'est génial. Oh, un ours. Il a brisé. Faut Winnie l'ourson. Génial. Ah, je vais recharger du coup. Oh les ours, il y a surfait. Ah. Pareil, je te regarde à droite de la tour, gosse, t'as une petite base. Enfin une petite base, une base moyenne. Ah bah attends. Ah, la forge est allumée, c'est bon signe. C'est qu'il y a du soufre. Caillou! Oh putain! Caillou! Je vais m'amuser. C'est mon caillou! Je vais le laisser dans la maison. Allez-vous-en! Pour être sûr qu'il marche. C'est mon caillou! On a un mec qui est accro au caillou, c'est cool. Je te donnerai les mères si tu veux, y'a pas de soucis. Ah, ça a frappé. Qui est-ce? C'est nous! C'est un petit ton à la catalane. On vient s'abriter, on a froid. Mais tu vois un mec qui est parti. Non, non, mais. Moi j'ai frappé, ça répondait pas, du coup j'ai tiré. C'est pas ça, mais il y a beaucoup de portes. Oula. Ah. Bonjour. Bonjour. Quel accueil chaleureux, putain. On le prend en otage. Chut. Va bien. Pas leur dire, mais on les prend en otage. Ok, je t'enlève ton couteau et toutes tes armes et je te baïonne. Ça c'est Arma ça. Non, Garry's Mod ça. Non, Arma, ouais. y a pas trop ça, tu peux vraiment le faire hein, donc. On va le sniper. Bienvenue au bar. C'est quoi, monsieur? Une C64 s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que ça marche la blague de l'escalier? Attends, je descends l'escalier. Non, ça marche pas. Ah non, ça a pas marché. C'est la merde. En étage. Oh. Monsieur, une chaise. Elle est derrière vous. Je et moi, monsieur, le barman. Monsieur, je voudrais une chaise pour s'asseoir, s'il vous plaît. Bah, je suis désolé, là, vous avez le compte de chaise. N'importe quoi. Bah, 10 mecs arrivés comme ça, full neige, t'as peur, quoi. Ah, la hachette. En mode Vikings. Vikings. Ouais. J'ai pas de hachette. On se bat contre des Indiens en fait. Mais non, on attaque comme ça. Ils arrivent sur des chevaux. Oh, ça faudrait qu'il. Ah ouais, si un jour on a. On peut. Ah, je vais la refaire, ok. Si un jour on peut contre les chevaux, ça serait stylé. Ça serait stylé de pouvoir avoir des chevaux, bordel de queue. Attention, messieurs, dames. J'ai les mecs qui misclic avec le lance-roquette, on meurt tous là. Pour les mouvements non sécularisés de Afrique. Ouais, c'est ça soit, vous avez envie de fight. Oui. Ouais, c'est. Ils sont impatients. Oh, c'est les Nesca, les fouteurs de merde. Non, mais moi je suis en pension. Je suis dans cette putain de tour, donc foutez-moi la paix. Si tu vas entendre un tir, ça va être un headshot pour toi. Je pense que si ça fight, tu vas entendre un tir de roquette, tu vas te pisser dessus en fait. J'essaie de tirer au bif et vous tirer dessus à la place. Ah, j'espère qu'il y aura du gros fight. Ça va être tellement bien. NSK au garde à vous. Ah ouais, tous comme ça. Oh. Il a sa porte Thompson. Mais qui c'est qui a une Thompson là? Yannen. Alors. Dans les bases, c'est des hautes vélocités. N. Nénénén. Vous êtes parti? Alors. Thompson, non? C'est malin. Par contre, toi aussi t'as le cancer! Tout le monde a le cancer! Vrible la chimio de tout le monde quoi! Laissez-le venir pour qu'il s'éteigne! Je crois que c'est les retombées radioactives qui fait qu'on est tous chauves!
pense que c'est ça aussi. Ouais. Ah. Putain, j'avais même pas pensé, putain. Ah bah tu penses que les habits là, ils cachent bien dans l'ombre, ça doit être pas mal. Je suis sûr c'est des pluies acides qu'on a là. C'est parti pour la guerre. Effet Sky, Go. Mais il croit que ça m'a rattendu. On donne les affaires, c'est pas. Regarde, il vient de faire call, mec. Bon, j'ai donné mes affaires à quelqu'un là, ouais. Je suis là-haut. Bon, Century, tu fais le c'est messager Zalando. Oui, ça marche. Je vais frapper, je parle et. On va donner les affaires par contre, mec. Tiens, t'es dit... sur l'eau, hein, je suis pas fou. Ouais, c'est moi qui les ai fait, c'est pas. Ah, attendez, Zéro. Qu'on se mette d'accord, je dois leur dire quoi exactement en fait? Non, attendez, je vais y aller avec vous toi. Et vous nous passez vos ressources, bon, on va les chercher. Non, tu dis que t'es le facteur. T'avais un caillou aussi. Non, je sais. Je suis huissier. Ah, on va le refaire. Je suis huissier de justice et je vais leur demander de me passer. Ah, il y a un petit ours. Ils en tirent tous, ils vont avoir peur. Hein. Faut pas qu'il y en a qu'un qui tire. Je m'en occupe. Quoi, il est pas mort? Il faut la porte à viser. Le barbare. Je suppose que personne a un peu de staff pour moi, non. Ah bah oui. Ah bah. J'ai une arbalète. Bah c'est juste ça, figure-toi, je suis bon à l'arbalète, donc anyway. Oui. Ouais, on va se mettre en position. Bon, Dylan, okay. Du coup, je m'occupe de quoi, Dylan? Donc, toi, tu regardes s'il y a personne qui vient dans la zone et tu t'occupes de regarder leur base en même temps. Toujours comme la base sur l'eau, du coup. Ouais. Ok. Qui c'est qui vient avec moi faire J'ai vu quelqu'un sur le toit tout à l'heure de la base. Je vais venir, moi je suis stuff donc. C'est bon, t'as récupéré l'arbalète? Non, moi aussi je suis stuff. Hein. Bon les gars, je fais. Il y a des brouillards, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Century, c'est avec toi que je vais? Oui, c'est avec moi. Je sais pas si vous m'avez entendu, mais je vois strictement rien. Bah ouais, normal. On a l'impression qu'il est à la radio, c'est excellent. Essaye de t'approcher. Pourquoi tu casses? Bon, allez, on va frapper à leur porte et on parle direct. Ah, mais on est près de SDF. Ouais, très. Pour ça qu'après on y va. Les gars, on y va, c'est parti, on va au contact. Par contre, l'eau c'est pas ouf. Et les mecs, tu es à droite de leur quarry ou pas pour... Bah j'y vais au pire. Ouais. Faut qu'on encercle leur base. Du coup, Anna... Viens avec toi. On fait comment? Je vous vois pas, est-ce que je regarde au bon endroit? Non, on instaure une taxe. Les gars, on va être en contact avec eux, donc plus de bruit. Attendez. Vous y êtes là? Ça bouge, ouais. Attends. Ça bouge. Attendez. Century, on propose une taxe. Bah vas-y, propose la taxe, propose. Je suis là pour te couvrir, au pire. Non, bah si vous voulez, moi je suis que nul, j'y vais, c'est encore. Ah, mais s'ils acceptent, c'est nul quoi, il va rien se passer après. Non, mais tu prends la taxe, tu fais. Enfin, attends, je te passe. Non, faut pas l'entendre, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Anazazi et les NSK, on est ici pour négocier, s'il vous plaît. Y a un mec à la fenêtre, de droite, il a un sniper. Puis je tire. Je suis en recul. Bah, on attend les négociations avant de. On est ici parce que vous êtes dans une zone qu'on contrôle depuis le début. On aimerait instaurer une taxe et une autre condition aussi pour que vous puissiez rester dans la zone paisiblement. Ah, d'accord, ça s'allie en traître. D'accord. Ah, c'est pas traître, hein. On est déjà alliés depuis un moment. Je crois que ça. On va reculer parce que ça va pas le faire. Attention. Ah non, mais moi c'est pas grave, c'est la crossbow. Je vais faire genre, ok. Attention aux artificiers, on fait gaffe à pas perdre les munitions. Hein. Ouais. Tu sais quel team c'est parce que j'ai vu le pseudo, du coup je sais pas si tu sais qui c'est. J'ai encore un peu. Ah bah oui, c'est Terrageek Company. Hein. Non, c'est Nico Spanish. Ouais, bah c'est les Terrageek. Ah bah voilà. Ouais, c'est eux, c'est vrai. Derrière la base, là, je vois pas. Ah, du coup, c'est pas tout ça que ça, mais on attend toujours pour les éventuelles négociations. T'es en train de se faire ça. Moi, ouais. Attendez. Merci, Century, je suis derrière vous avec des bandes, je suis besoin. De toute façon, c'est moi qui suis en première ligne avec ma petite crossbow, donc t'inquiète. J'envoie dans le chat sans réponse sous 20 secondes, ça va chier. Non, je vais leur dire. Ah, vas-y. Tu veux que je dis quoi? Oh, j'aime ça, putain, j'aime ça. Tu leur dis qu'ils se grouillent à prendre une décision, sinon on leur bombarde la gueule. Sinon on va prendre nous-mêmes, on va prendre nous-mêmes notre décision. Je veux pas précipiter les choses, mais franchement, je vais être très gentil. Je vous donne 20 secondes pour nous donner une petite réponse du genre oui, on vous donne du stuff en échange de la sympathie de notre groupe, ou alors on peut pas de la gueule en fait, pour faire très court.
Les lanceurs de roquettes, faut qu'ils soient prêts. Les lanceurs de roquettes, ils sont prêts à tirer dans le même mur au même moment pour qu'on fasse la faille et qu'on entre direct, ok? Au cas où. Ouais, mais Yenen, vous êtes où? Vous vous synchronisez. T'as qui sur le champ? MDR, grand et ouais, c'est ça le boss. Ouais, bon, vous, je veux pas être seul, choisissez. Mais tu n'as pas répondu. Et où? Vous n'avez pas répondu. Et bah, je pense que ça va mal tourner pour vous, les gars. Ah, c'est que je à vois droite, pas. Vous... Ah, attends, les gars. À droite. Les gars. Écoutez, écoutez, silence, silence. C'est quoi la taxe? Excusez-moi, j'avais pas entendu. Que disiez-vous, monsieur? Ah, excuse-moi, il y a trop de bruit sur OTS. Qu'est-ce que tu m'as donc répondu? Qu'est-ce que c'est ma taxe? Les gars, dites-moi vite. Je sais pas. La taxe, c'est du C4, je sais pas moi. La taxe, en fait, c'est. T'as différentes possibilités. Rien. Soit du minerai de soufre, donc ça, il en faut beaucoup parce qu'il faut d'abord qu'on le fasse fondre, etc. Soit du soufre, donc là, on va diminuer un peu le prix, tu vois, parce que c'est déjà cool. La poudre à canon, c'est déjà pas mal. Et le top du top, ce serait du C4. Maintenant, il faut voir jusqu'où vous êtes prêt à aller, quoi. Vous êtes synchronisé, lanceur de roquettes, au cas où? Silence. Excuse-moi, j'ai pas entendu, j'ai des mecs qui parlent beaucoup, c'est difficile. À tête derrière ma tête. Ghost. Au pire, si tu veux faire beaucoup plus simple, tu te mets cul nu et tu viens dehors pour être plus proche de moi quand je parle, parce que je te jure, j'ai du mal à t'entendre. Ou au pire, tu me fais rentrer, je vais faire des stuff, ça me dérange pas de rentrer. Tu me mets dans le sas et puis c'est bon. Vous êtes où les mecs? Tu fais comme tu veux. C'est ce que je demande depuis tout à l'heure en fait. Et qui lance de roquettes? Zéromis, vous êtes tous les NSK. Moi, pas, je suis quasiment devant derrière un rocher, je suis pas lancé. Moi, j'ai un visu sur la façade de la maison. Y'a quelqu'un qui est derrière? C'est moi. Moi, je cours. Ok, parfait. Alors, Ghost. Mais c'est qui le bataille? Les gars, pour aller trop sauter, j'entends pas ce qu'il me dit. Ça, Sazi, c'est toi derrière le rocher. Non, il parle trop, attends. C'est qui le mec? Je vais couper TS, tu vois, ça va être plus simple. Ouais, je pense. Ok, c'est bon, il est bon. Moi, je suis tout à droite de leur base, dans les cailloux. Du coup, les bazookas, là, faut vous placer. Je sais pas si vous vous êtes placé, du coup. C'est qui le deuxième bazooka? Zeromus. Ok. Je pensais tirer dans le mur, juste derrière le panneau. En dessous de la porte. Enfin, pardon, en dessous de la fenêtre. En dessous de la fenêtre. Moi, je suis d'accord avec vous pour la zone de shoot. Ouais, idem. J'ai un visu dessus en plus de là où je suis, donc si jamais... C'est lequel? INN qui a le... Quelle roquette? INN. Ah ok, c'est toi. Là. Et donc ils sont où tous nos potes là? Alors, je vais laisser une petite minute pour parler avec son pote de voir combien il nous donne. Et puis après je vous dis ce qu'il me dit et puis on verra si ça arrange tout le monde ou pas. Et il nous donne, ouais. C'est tout? À combien? Non, non, mais s'il nous dit 5, c'est 4, c'est cool. Tu vois, on va arrêter autre chose et on revient demain. Combien de soufre tu voudrais? Le plus possible. Le plus possible. Dis-moi ce que t'as fait, est-ce que je veux. Je sais pas si tu m'entends, mais un maximum. Qui doit être en train. Oui, ils ont ouvert le sas. Ils sont en train d'appeler Z, tu vois. Les gars, silence du coup, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'il y a du coup? Attention, sniper, les SDF risquent d'arriver et nous prendre à revers, donc soyez prêts. Hein. Si... J'arrive bien de distance. De gunpowder, j'espère alors. Ah bah, c'est terrible, je vais quand même. Oui, mais tu sais que 2000 de soufre avec ça, avec mon retourné, c'est 5000 balles de farm. SK, t'as combien de vie? Je fais que de te soigner, il y a un problème. Du coup, moi, tu fais ce que tu veux, mais sache que 2000, je peux te dire d'avance qu'ils refuseront. Et Dixi continue comme ça, les négociations vont pas durer longtemps. Hein. Ah, j'ai parce qu'il faut les presser avant que SDF arrive. Ouais, j'ai l'impression qu'il tempo en fait là. Ouais, non. Moi je dis on y va. Hein. Moi je suis pour passer, je suis pour passer à l'action aussi. Je suis, les gars, vous parlez trop, je suis désolé, mais j'entends pas trop. Je vois rien avec le verre, mais attention, sache que le C4, on a largement de quoi pour te raid. Là, c'est un genre de paiement que tu fais que pour l'instant ne te raid pas. C'est juste en sorte que. Si tu veux, imagine la mafia et t'as besoin de moi, donne-moi que tu te fasses péter la gueule. Donc moi c'est ça. Là, je suis ton seul espoir de survivre. C'est tout. La nuit est en train de tomber, elles sont longues vos négociations là. Fais-lui un compte à rebours, et on prend la décision de le raid s'il a pas pris une bonne décision. Bon bah, perso, ils m'ont dit t'as 40 secondes pour faire une bonne proposition. Je compte. Bah écoute, c'est pas compliqué. Le maximum que tu pourrais donner, c'est combien? Je leur dis, s'ils sont pas d'accord, ça serait des erreurs, je peux pas faire tout ce que je peux.
Donc tu me dis. Merde. On s'arrange comme on peut. Il y a un mec au fond là. Bah non, c'est. Attends. Si. Saute. On saute tous. Il va voir les coffres. C'est bon, c'est bon. Putain, sérieux, il va voir les coffres, il sait à peu près ce qu'il a, il essaie juste de gagner du temps, il est en train de... Il reste 10 secondes, les 45 secondes sont mettre rigoler, 10 secondes. Oh putain, oui. Le monsieur qui était à côté de moi tout de suite. 5 secondes. Je suis en train de compter les portes qu'il y a à l'intérieur là, donc je me concentre un peu. Pyro, t'as une arme? Oui, j'ai une arme, mais les mecs, vous êtes à combien de pourcents là? J'ai l'impression que vous êtes à 50, je fais que 12 soignés, ça va pas? Moi, je suis à 100. Je suis à 100 aussi, moi. Tout le monde? Un Oui. Je suis à 100. Les 40 secondes sont écoulées. Tu me dis que tu n'as que 4000 de soufre. Vous êtes deux, vous avez que 4000 de soufre. Dis-lui qu'on va les vérifier par nous-mêmes, c'est bon, ça suffit là. Ouais, c'est bon, allez. C'est bon. Ouais, allez, c'est bon. On rentre dedans. Allez, connard. Bah écoute, je veux pas faire comme ça, tu peux me tuer ou me libérer, mais ta base est raidée. Je suis désolé, c'est pas suffisant. Leur sentence est irrévocable. Oh là là, on est prêts, les gars. Prêt. Soit tu m'ouvres, soit tu me tues, mais. Je tire. Je te souhaite bonne chance pour le combat. Attendez, faites un compte à rebours. Faire gaffe de pas tirer dans la carte. Si vous voulez, oui, ça vous appartient. 3, 2, 1, allez! C'est parti, les mecs. Mais vous êtes. Il faut encore deux roquettes. Les gars, c'était quoi cette merde que vous venez de faire? Attends, attention, je pose un. C'est 250, il restera 10. Bah, on mettra 4 balles. Une grenade. Une grenade, bien vu. Attention aux embrasures. C'est cassé, c'est cassé. Ah, les PD. C'est cool. Je repose un derrière. Je repose un, je mettrai un coup de lance-roquette. Allez, tiens, un mec sur le caillou là-bas, c'est normal. Qui sur le caillou derrière? À droite, c'est moi, je saute. C'est bon, à gauche, c'est qui là? Ça va péter, les gars. C'est pas ouvert et. Genre, il reste 88. Attends, je tire un roquette, ça va éviter le. Vas-y, tire. Ok, y'a sur le toit, y'a un mec. Tout en haut? Non. Tout en haut? Ouais. Ah putain, il reste encore des portes. Ok, je fais au centre, c'est la salle des coffres. Attention. When you thinking, damn, what is this? That's us. Make it speakers bam when it hits like what? Give it some jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Jam something crazy when that bass line bump. We're just getting started but that beat gon' cut. We just wanna party so tonight so what? Come on everybody put the drink down bounce. Pull up with a hottie. Si j'étais dans les marches de l'avoir passé, c'est génial.